Salut à tous, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore un nouveau témoignage, encore une nouvelle expérience. Si ce n'est pas encore fait, écoutez, cliquez en dessous pour vous abonner. Vous avez aussi des liens de formation gratuites qui sont présents dans la description ou sur le petit i là, dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, ce sont des formations gratuites. Aujourd'hui, la question qu'on pose, c'est pourquoi on fait du marchand de biens et quelles sont nos motivations. Aujourd'hui, je suis en présence d'une jeune dame, parce qu'en fait, c'est assez rare dans notre métier, même plutôt... plutôt pas courant, parce qu'en fait si je regarde les statistiques de ma chaîne YouTube, je me rends compte que vous êtes beaucoup de mecs en fait et qu'il n'y a pas beaucoup de nanas. Donc je me suis dit ça faisait du bien, ça ferait du bien un peu de dames un peu sur la chaîne YouTube. Donc du coup Célia, est-ce que tu peux te présenter, est-ce que tu peux nous dire un peu d'où tu viens, ce que tu fais et pourquoi tu veux faire du marchand? Je m'appelle Célia, j'ai 27 ans, je suis toujours salariée. J'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier en mai dernier. Pour quelle raison? Parce que ma DRH m'a convoqué. Ah, intéressant. Ça se passe bien au boulot, intéressant. En me disant à la signature de mon CDI, bon Célia, tu arrêtes de négocier ton salaire, on en a marre de toi, donc soit tu prends ce qu'on te donne, soit tu t'en vas. Ah oui, d'accord, ok. Donc je me suis dit, Célia, il va falloir trouver un autre moyen de faire de l'argent pour améliorer ta situation. Parce que oui, j'ai un bon salaire, mais ça ne va pas aussi vite que je le voudrais. Et tu es tout de même conditionné par la boîte pour laquelle tu bosses et ça ne va pas assez vite pour moi. Donc j'ai réfléchi à des solutions pour faire de l'argent et comme j'avais déjà quelques membres dans ma famille qui font un petit peu d'IMO, tout naturellement je me suis dirigée vers l'IMO. Très bien, super. Donc, choix. J'ai commencé par faire une formation parce que je ne connaissais vraiment rien. Et en mai dernier, j'ai acheté une formation. Je me suis dit que bon, pour ne pas faire de bêtises, il valait tout de même mieux se former au préalable. Ça peut aider, surtout en marchant. Oui. Ça peut aider, ouais. Et de là, j'ai fait la formation et j'ai intégré tout ce réseau d'investisseurs lié à la formation. Et ça a été vraiment génial. C'est vraiment la force de toutes ces formations, c'est de pouvoir intégrer un réseau. Et donc j'ai assisté à des apéros IMO, des séminaires, des conférences. C'est top. Ce qui fait que je me suis liée d'amitié avec plein de personnes différentes. Et c'est vraiment ces personnes qui m'aident à grandir et qui me font évoluer aujourd'hui. Et à l'heure actuelle, j'ai reçu mon compromis aujourd'hui. Bien, félicitations, ouais. Je n'étais pas au courant, félicitations. Ouais, oui, j'ai fait une offre pour un bien sur Paris et j'ai reçu le compromis aujourd'hui. Voilà. Top. Signature la semaine prochaine et après le timer est lancé. Bon, super. Du coup, tu peux nous raconter un peu cette première OP, un peu c'est quoi comme typologie de bien que tu as acheté? C'est un appartement parisien, un projet à environ 550 000 euros. Pour une première OP les gens. Oui. Et potentiel de revente, ce que je vise, 700 000 euros. Bien, vous avez vu que aussi ça peut, on peut avoir des chiffres sympas comme ça. Alors du coup, c'est quoi la typologie? C'est un immeuble, c'est une maison, division parcellaire, division de bâti? C'est un appartement, dernier étage d'un immeuble parisien. Mais la particularité de cette opération, c'est que je ne suis pas intéressée par l'appartement, mais je suis intéressée par les combles qui se trouvent au-dessus. Le prix au mètre carré de ton secteur, c'est quoi, qu'on se fasse une idée un peu? 10 500. Donc vous avez vu les combles, 10 500 euros du mètre carré. Alors évidemment, il y aura des travaux. Du coup, tu vas faire des travaux dans cet appartement ou pas du tout? Tu revends l'état? Alors l'appartement lui-même, il n'y a pas tellement de travaux. Ouais. Surtout les combles. Les combles, à l'heure actuelle, c'est un grenier. Et je compte les aménager et relier le comble à l'appartement du dernier étage que je suis en train d'acheter pour en faire un duplex. Ah oui, top. Donc du coup, ça fera des mètres carrés. Ça, c'est ce qu'on aime bien en marchant. C'est, on appelle ça du bonus en fait. C'est un garage aménageable. Là, par exemple, c'est des combles dans ce cas-là. C'est un terrain qui est détachable, un terrain qui est constructible. Ce sont tout ce qu'on appelle des parties bonus dans un bien immobilier. Donc ce sont des bonus cachés même. Parce qu'en fait, en première vue, quand on visite comme ça, on ne se rend pas compte. En fait, je pense que quand tu as visité au début,
début, tu t'es dit cet appartement, bon, ben, c'est peut-être pas incroyable. Par contre, les combles qui sont au-dessus, ça, ça peut m'intéresser pour faire un duplex et du coup gagner des mètres carrés supplémentaires. Et quand on est dans des secteurs comme là en région parisienne, où évidemment le prix au mètre carré est scandaleux, ben, du coup, ça a un vrai sens. Et clairement, sur Paris, il faut créer de la surface. C'est hors de prix. À moins que ce soit une anomalie de marché, tu n'arrives pas à faire de la marge conséquente. Oui, et puis en plus, il y a beaucoup de monde. Quoi. Ouais. Et j'ai pas visité cet appartement. Ouais. J'ai visité ces combles. En fait, j'ai pris l'appartement pour les combles. Ouais, d'accord. Et en termes de travaux dans cet appartement, tu vas faire quoi? Tu vas faire un peu de réno? Pas du tout L'appartement, oui, un petit peu un coup de rafraîchissement. Mais c'est pas énorme. D'accord. Pas énorme. Et dans les combles, tu comptes faire quelque chose en particulier? Oui, combles, je compte y faire deux chambres et une salle de bain. D'accord, ok. Donc ça sera livré un produit fini quoi du coup quoi. Oui, ok, top. Donc là avec une belle marge à la clé, bon par contre le problème c'est très certainement les travaux. Il va falloir justement être vigilant sur les coûts et les délais évidemment parce que ça prend un peu de temps. Et là du coup, le timer est lancé. Top, okay. Top. Donc du coup tu comptes pas t'arrêter là, tu comptes en faire d'autres après j'imagine. Oui, bien sûr. Il y a deux jours, j'ai visité un bien dans le Gers, un triplex, qui est vendu à un prix défiant toute concurrence. Mais pour la raison de ce prix-là, c'est qu'il y a une interdiction de division de ce triplex en lot. Interdiction de division opposée par la copropriété parce qu'il y a une haine incommensurable entre les copropriétaires et le vendeur. D'où la vente. D'où la vente parce qu'en fait, il avait commencé les travaux pour diviser le triplex en différents lots. Et la propriété s'y est fermement opposée. Il y a eu des poursuites en justice, ce qui fait qu'il bazarde son bien. Ah, intéressant. Intéressant. Et pourquoi le Gers en particulier? Tu as des connaissances là-bas ou c'est... Moi, je viens de là-bas. D'accord, là-bas, ok. Je connais bien le marché. Super. Bon, vous voyez les gens, ça fait un peu du bien d'avoir plutôt des dames un peu sur cette chaîne YouTube. Des gens qui passent à l'action, des gens qui se bougent, des gens qui, évidemment, n'ont pas peur de se lancer sur des projets un peu ambitieux. Vous avez vu, elle se lance sur un projet à 550 000 euros, donc ça commence à être un peu costaud. Donc si elle peut le faire, c'est-à-dire que vous aussi, vous en êtes capable. Évidemment, il faut se former, évidemment, il faut mesurer les risques. Il y a marchand de biens, c'est casse-gueule, on le sait. Il y a des frais financiers, il y a des frais, enfin, c'est vraiment, il faut vraiment se méfier. Donc, est-ce que tu as un petit mot pour finir ou pour motiver les gens ou Oui, bah, j'encourage les femmes à nous rejoindre parce que c'est vrai que je ne suis pas entourée de beaucoup de femmes. Et nous pouvons le faire. Moi, il n'y a même pas un an, je ne connaissais vraiment rien. Je partais de zéro, je ne connaissais aucun terme. Mais je me suis lancée, j'y vais. J'ai commencé par une formation et je pense que ça c'est vraiment la base. Tu te formes pour avoir déjà quelques bases et avoir un petit peu de jargon. Et après tu assistes à des apéros, à des conférences et ne pas hésiter à aller parler aux gens. Personne ne va nous manger. Est-ce que les marchands du coup, que tu as rencontrés ont été méchants ou quoi que ce soit? Non, au contraire, dans le cercle il y a tellement de bienveillance, ouais, de générosité. Et vraiment, j'ai été surprise par cette atmosphère. Je suis vraiment contente d'avoir rejoint tous ces membres de cette communauté parce qu'il y a vraiment beaucoup de dynamique, beaucoup d'énergie, envie de pousser les autres vers le haut. On s'entraide, on se donne des bons tips. Il n'y a pas de tabou, personne juge personne, chacun avance par rapport à ses compétences, par rapport à nos échecs, par rapport à nos réussites, on se motive, on essaie de trouver des tips, on essaie de trouver des points de vue différents sur ce qu'on a fait, donc c'est super intéressant. Bon, si vous êtes toujours là, abonnez-vous, n'oubliez pas de cliquer dans la description parce qu'il y a une petite formation gratuite qui vous attend. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente marche, puis à bientôt, bye bye, ciao.